On m'a posé la question de comment fixer le tarif d'une prestation. C'est assez général. Et ben le tarif, il n'y a pas vraiment de réponse précise. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est ben prenez un taux horaire par exemple, voyez ce que ça prend si c'est une séance de coaching, par exemple une heure de coaching, ce que ça vaut. Voyez un petit peu ce que la concurrence fait. Et ajustez-vous par rapport à ça. Maintenant, il y a d'autres choses à faire. C'est que, ben, soit vous êtes un niveau au-dessus et là vous mettez vraiment un tarif exorbitant et vous tapez d'autres clients, une autre cible. Mais le meilleur conseil que je puisse vous donner là-dessus, c'est de tester. Faites 3 prix par exemple, testez les 3 et revenez dessus dans 3-4 mois en regardant ce que vous avez fait en chiffre d'affaires, en termes de chiffre d'affaires. Et voyez si par exemple l'offre 2 plus chère vend mieux que l'offre 1. Et comparez aussi le nombre de ventes que vous faites par rapport à une offre. Si l'offre 2 plus chère fonctionne bien mais qu'elle vend beaucoup moins que l'offre 1 qui est beaucoup moins chère mais qui se vend beaucoup plus, bah ça vaut plus le coup de baisser votre tarif mais vendre plus au départ. Et pourquoi pas par la suite, quand vous serez bien à l'aise, passer à l'offre 2 qui continue de se vendre beaucoup moins, mais ça va vous libérer du temps, vous allez gagner plus. Donc faites des tests, c'est vraiment le grand secret de la vente, hein, c'est de vraiment tester tout ce que vous pouvez. Et vous allez voir que bah, ça change beaucoup de choses quand on commence à faire des tests, qu'on a du trafic, parce que c'est un petit peu la clé aussi, il faut du trafic pour pouvoir faire des tests. Si vous faites un test que sur 10 personnes, vous vous dites « Ah bah tiens, mon offre A, elle marche mieux que l'offre B sur 10 ventes », c'est pas vraiment top comme données. On dit souvent qu'il faut un minimum de 100 conversions pour commencer à vraiment avoir un gagnant quelque part qui se démarque. Mais faites des tests. Mettez en place vos tests le plus rapidement possible parce que ça peut prendre du temps si vous n'avez pas beaucoup de trafic. Ça peut prendre du temps à avoir vraiment un résultat et mettez-vous en route tout de suite. Pensez-y assez rapidement parce que ça va changer la donne sur des années à venir, sur le long terme.